À toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la toute nouvelle alimentation haut de gamme de couleur master, la V700. Une alimentation qui s'offre une certification 80+ Gold, un design full modulaire, un ventilateur de 135 mm silencieux et des condensateurs japonais. Sur ce, on se dit rendez-vous tout de suite pour découvrir le bundle. Au niveau du bundle et donc de la présentation, on voit, c'est très bien fait avec une sacoche pour les différents câbles qu'on a avec l'alimentation, le cordon d'alimentation, la notice d'utilisation et le bloc en lui-même qui est lui aussi dans une petite housse. Sortons justement toutes ces petites choses des housses. Au niveau des câbles, on est assez bien fourni avec deux types de finitions. Une finition classique gainée pour le 24 broches, pour la carte mère et des câbles plats pour les autres connecteurs. On trouve un brin avec deux prises Molex et une prise floppy, suivi d'un brin qui totalise deux prises Molex. Ensuite, on a trois câbles avec uniquement des prises SATA. On compte trois prises SATA à chaque fois. Ensuite, on continue avec les PCI Express. On a donc deux brins avec deux prises PCI Express 6 plus 8 pins. On pourra donc driver deux grosses cartes graphiques. Enfin, on a le connecteur 8 pins CPU afin d'alimenter votre processeur et donc le 24 broches ATX dont on a déjà parlé. Passons maintenant au bloc en lui-même. Le bloc en lui-même est plutôt travaillé, très bien fait, avec une excellente finition. Sur le dessus, on a le logo de la marque, une grille de type nid d'abeille, un petit plaquage en aluminium et une peinture légèrement granulée qu'on retrouve sur tout l'ensemble du bloc qui présente très très bien et qui est bien appliqué. Sur les côtés de la V700, on a un léger emboutissage qui permet d'avoir un petit peu de style, le logo couleur master, le V700, et on trouvera exactement la même chose de l'autre côté. À l'arrière, on trouve la grille nid d'abeille, l'interrupteur, le dispositif pour mettre votre cordon d'alimentation, un petit siglage couleur master. En dessous, les specs, on va y revenir tout de suite. À l'avant, on a le logo couleur master de nouveau et tous les connecteurs pour les câbles modulaires. Au niveau des caractéristiques techniques, la marque nous propose un 3V 3 de 25A, un 5V de 25A et un rail 12V de 58A, le tout pour 696 watts sur le 12V. Au niveau du prix, cette alimentation avec son petit ventilateur de 135 mm juste en dessous, silencieux, sera proposée à 135 € avec une bonne garantie. On vous propose le test de cette alimentation très prochainement à la ferme.